Ceux qui pensent que l'idylle entre la tradition et l'institution n'est qu'artificielle auront été fixés sur la vraie nature de cette union sacrée. La démonstration de cette fusion sacrée a été faite au palais de la culture à l'occasion de l'arrivée du roi des baleines. Fo Nengou II, reçu par le ministre de la Culture. De la communauté baleine est l'illustre hôte de marque du ministère des Arts et de la Culture. C'est un moment précieux et important. Vous me permettrez, au nom des hauts responsables du ministère des Arts et de la Culture, des artistes et hommes de culture du Cameroun, rassemblés autour des pôles artistiques et culturels du MINAC, de souhaiter la bienvenue à Sa Majesté Roi des Baleines au ministère des Arts et de la Culture. Lors de l'échange fructueux entre le roi baleine et l'autorité tutélaire de la culture camerounaise, et des doléances auront été posées. Permettez-moi, Excellence Monsieur le Ministre, de solliciter votre bienveillance pour porter au président de la République nos doléances afin de protéger et de valoriser notre culture. Le peuple baleine souhaite la construction d'un musée pour la conservation de ses richesses, dont certaines sont plusieurs fois centenaires. Nous sollicitons votre précieux concours afin que le festival patrimonial baleine Boum soit inscrit au patrimoine immatériel national, puis de l'UNESCO. Nous sommes satisfaits de cette visite. Nous sommes enthousiastes. Nous sommes contents. Nous sommes ravis. Nous avons atteint nos objectifs à travers cette rencontre avec le ministre des Arts et de la Culture. Et nous pensons que avec nos entretiens avec le ministère des Arts et de la Culture, nous avons présenté brièvement le patrimoine culturel baleine. Les tables sont ici pour accompagner le roi de baleine qui va rencontrer le ministre des Arts et de la Culture. Ceci en prélude du festival Boungoum qui a sa 420. Édition. A gagné un peu de plus aujourd'hui. Nous remercions le ministre d'avoir accepté cette invitation, d'avoir cette invitation de Baleine, Baleine qui est sorti de tous les quatre coins du Cameroun. Le bonheur exprimé par le peuple baleine ce jour traduit les effets de la force de l'institution qui accompagne la puissance de la tradition.